Ah, c'est Moya. Ah, il y a une petite fille. Bah, c'est Chapi, c'est la directrice de l'office de tourisme. Chapi Chabercité. On fait un BTS. C'est rare qu'il y ait des universités ou des groupes français, mais d'habitude c'est plutôt des Sud-Américains, des Américains. Ah bah non, là, on est français. Ou des Belges aussi. La dernière fois, il y avait un étudiant de l'expo. Je reproduis d'abord le lieu dans Second Life pour préparer l'expo. Ah, il y a de la musique. Tiens. Ah, mais attendez, la musique, c'est ici, non ? Attendez, on va baisser. Je crois que c'est ici, ouais. Ah là là, je vais baisser. Attendez, je vais couper la musique sur l'île. Il faut cliquer sur la voiture. Voilà, une, deux. Il y en a déjà deux dans la voiture. Il faut un troisième. Et Alexandre monte. Alors, il faut cliquer droit, droit et drive. Ouais, c'est bon. Bon, on va où, Chapi ? Chapi, on les emmène où d'abord ? On va aller sur l'île des reproductions d'expo. Allez, où, Chapi ? Chapi ? Allez, là, attention, on va faire un accident. Il faut que je. Elle a été à l'aéroport, Chapi. Elle veut prendre l'avion. On va monter dans celui-là d'avion. Alors on fait pareil. Oui, pareil sur la voiture. Fly. Hop, voilà, un. Il y en faut encore un. Où est-ce qu'elle est ? Je sais pas du tout où elle est. On reviendra la rechercher, tant pis. Ouais, bon, on va faire ça. Allez, hop, voilà. De toute façon, elle est où ? Elle est avec vous en même temps ou vous êtes séparés ? Non, non, elle est avec nous en même temps. Ah non, je crois qu'elle est montée, ça y est. Ah non, elle est là à côté. Ah ouais. D'accord. Cliquez droit. Est-ce qu'elle est montée ? Bon, Chapi, est-ce que tu arrives à monter, toi ? Ah bah, elle est assise sur l'aile, Chapi, parce qu'il n'y a plus de place. Attention, on y va, c'est parti. J'espère qu'on va pas se cracher. Alors là, on passe au-dessus de Valoris, de reproduction d'expo à Valoris, à Bonson, un festival à Bonson. On va passer au-dessus de la collégiale du Mans. Là, c'est la collégiale du Mans que j'ai reproduit où j'ai fait une expo. On va passer au-dessus du collège de la Bourgade à la Trinité où j'ai une salle, Saint-Raphaël. Là, on a le centre culturel de Melun, la Malmaison à Cannes sur la Croisette où j'ai fait une expo. Le carnaval de Nice, parce que je fais chaque année le carnaval de Nice virtuel. Là, c'est en dessous, c'est la place Masséna. Là, il y a une galerie américaine en dessous où j'ai fait une expo. Là, il y a une tour géante. On va essayer de monter pour voir la tour. Il y a une tour géante où on peut monter à pied. Là, on a le cirque de Monaco en dessous. On a l'hôpital du Moyaland, le cirque de Monaco. Là, on a une grande expo que j'ai fait en Corée. Donc là, c'est la reproduction de l'expo en Corée. Là, on a un château. La chapelle de Clans, j'ai pas une chapelle dans l'arrière-pays niçois. Là, il y a tous les musées qui sont en dessous, le vieux village. On va changer de serveur, parce que j'ai 4 serveurs internet. Donc on va changer de serveur. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Non, non, je pense qu'il... Ah bon, si. Là, on a une île tout en dessin. Là, on a les rebelles du Moyaland, c'est les anti-Moya. Ils sont contre Moya. Ils sont contre l'égocentrisme de l'artiste. Ils ont un territoire rebelle que j'ai bombardé. Ils sont là. Là, il y a une île tout en dessin. Ouais. C'est une île faite uniquement avec des textures en dessin. Il ne faut pas qu'on se crache pas. Là, il y a l'Asie. On va aller... Oula, ils nous bombardent les... Voilà. Et là, on a l'université. Donc, on a toute la factory, le travail. Il y a un grand tour de l'université. Et là, c'est la factory. Donc, on va se poser à la factory. Et en dessous, on a les maquettes des futures expos. Il y a une expo à Nancy. Et il y a une expo qui vient de finir, qui était à Mantova. Oh. Voilà, boum. Ah, on est arrivé. Là, pour se lever, faut mettre me lever. Ou alors je jette l'avion. Comme ça, vous allez tous sortir. Hop. Voilà. Alors ici, c'est l'atelier de travail. Donc si vous êtes, ça vous intéresse, les parties travail, je vais vous montrer par exemple une expo
À droite, il y a l'expo que je vais faire à Nancy. Donc, je suis en train de préparer la maquette. Et à gauche, il y a l'expo que je viens de finir à Mantoue, en Italie. Au palais ducal de Mantoue. Ah, on a perdu deux. Voilà, on en a perdu deux. Aïe, aïe, aïe. Ah, je crois qu'ils ont un petit souci de micro. Donc, j'ai fait une installation et l'installation est quasiment à l'identique en réel. Pour préparer l'expo, j'ai construit toute la maquette du lieu. Donc, toute l'expo, c'est vrai que l'immersion est pas mal. Et après, il y avait un film de Second Life qui passait avec. Et vous faites souvent des projets comme ça, réels? À chaque expo, je reproduis la salle. La prochaine, c'est Nancy. Et là, je suis en train de construire, justement. On va pas aller au bout, Chapi, parce que c'est tellement grand. Mais après, on s'intéresse surtout aux artistes un petit peu comme ça, qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Ah oui. Ben moi, je fais tout en même temps. Je fais le virtuel, le réel, je fais tout. Là. C'est terrible. Ah, c'est vrai que c'est intéressant de mêler les deux. Alors là-bas, c'est un peu loin, mais enfin, tant pis, il faut marcher pour aller voir Nancy. Là-bas, c'est la préparation. Voilà, on peut courir. Si vous appuyez longtemps sur la touche de marche, vous courez. D'accord. Le plan sur le sol. Et donc, oui. J'ai fait la maquette. Elle est un petit peu plus petite pour l'instant, parce que pour pas qu'elle prenne de place. Et donc là, on va rentrer dedans et on voit le plan au sol. J'ai simplement monté les murs à partir du plan. J'ai monté les murs et je vais préparer l'expo. L'expo est en fin juin. Donc je vais préparer toutes les œuvres. Je vais les chercher d'ailleurs dans les autres expos reproduites, puisque c'est souvent les mêmes œuvres que je transporte. Et donc je vais voir exactement où elles peuvent se mettre. Et je vais fournir la maquette avant. Ça a été photographié dans Second Life, dans le studio. Là, une affiche. D'accord. Pour C'est pas classique. Tous les personnages ont été photographiés dans Second Life, les pianos, tout. Les vieux, j'ai acheté des violons dans Second Life, donc ça m'a permis de faire en 3D très vite. Ça, c'est la carte de vœux du centre LGBT de Nice. Donc ça, j'ai photographié avec des petits personnages découpés. Et j'ai posé les lumières dans Second Life. Et là, c'est une soirée pour le centre LGBT aussi à Nice. Et donc j'ai projeté un film tourné dans Second Life sur les murs. Ce qui fait que le balcon qui est en haut, là il y a un balcon en haut, il a servi à filmer des personnages qui dansent au balcon. Et ça a été projeté en haut de. Ça a été projeté sur un mur. Et les gens avaient l'impression qu'il y avait des avatars qui dansaient au balcon avec un vidéoprojecteur. Préparé ensemble dans Second Life l'architecture. C'est une utilisation de Second Life. Alors là il y a le studio bleu. Mais si on entre dedans, on est perdu parce que. On voit pas les murs en fait. Ici c'est le studio bleu. Voilà. Dedans je peux filmer. D'accord, oui. Et ça me permet de filmer des personnages et ensuite de les avoir comme sur fond vide et donc de les projeter au plafond. Enfin, et là c'est l'impression 3D. Ah, c'est simple. C'est des photos de pression 3D à partir de personnages. Donc là c'est le personnage 3D. Et en photo sur le téléphone, c'est l'impression 3D en réel du personnage. Et donc je peux faire des maquettes directement dans Second Life, je fais les maquettes en 3D de mes sculptures. Ça D'accord, par exemple c'est un lézard coup, ouais, mais il fait 6 mètres de long là, il est en train de tester les sculptures, de tester la disposition. Ah bah vous, si vous voulez on peut aller voir les contestataires, ça c'est rigolo. Ah bah on peut... Mais alors par contre... On a tout notre temps. Ah bon ? Oh là là, c'est grand ici hein, si vous voulez. Oh là là, il faut des heures pour tout voir, c'est terrible. Bon, on reviendra de toute façon, il n'y a pas de souci. Ah, oui. Et là, alors ici, on entre dans le territoire rebelle. C'est pour ça qu'il y a un tank devant, ils ont renversé une voiture. Non, je sais, on va passer par derrière Chapi, on va aller voir ta résidence d'artiste. Allez, en l'air. Voilà. Et là, c'est la résidence d'artiste de Chapi. Pour le moment, c'est Chapi qui est dans la résidence. Et Chapi, elle fait des œuvres virtuelles à partir de ce qui bouge, en fait. C'est la chaire virtuelle de l'université. Donc, normalement, voilà, la mémoire, elle n'est pas encore pleine. Donc, il peut encore apprendre. Mais il faut juste lui parler. Il faut dire quelque chose dans le chat. Et après, il va répondre. Alors, attends, je vais lui dire bonjour. C'est-à-dire, il a lu tout le livre et il mélange tout. L'humain dépassera la part réelle de facettes et sorties de moya et finalement qu'un carnaval. Voilà. Bon, parce que je lui ai parlé du carnaval de Nice, du coup, depuis, il n'arrête pas de parler de carnaval. D'accord. Je vais lui dire d'accord. Qu'est-ce qu'il répond ? L'histoire de millions de dieux. Ah oui. Mais des fois, c'est pas bête ce qu'il raconte. Hein, mais... Bon.
Donc, il faut l'interpréter comme des œuvres. Lui, il me donne des idées d'œuvres. Il contient tout un tas d'éléments, tous les styles d'œuvres possibles, tous les styles de matériaux dans sa mémoire. Et il me donne des œuvres à faire. Mais il a été mal programmé au départ. Il a une façon de parler qui est bizarre. Mais, et on en avait mis un pour l'office du tourisme qui pouvait parler. Mais à la fin, il n'arrêtait pas. Comme on lui disait des bêtises, à la fin, il n'arrêtait pas de dire lol, lol, lol. On a dû le trouver. Là, il y a une partie pour la musique virtuelle, une partie pour donc l'artiste virtuel qui donne les idées, l'architecture virtuelle. J'ai mon bureau tout en haut où on voit toute l'île entièrement. Voilà, là à gauche on a le potier. Il y a plein de magasins là dans le vieux village, c'est des petits magasins, des petites boutiques. Et là on va monter à la chapelle, tiens. Chapelle que j'ai peinte dans l'arrière-pays de Nice. Donc là je l'ai peint en réel, mais elle est reproduite virtuellement dans Second Life. Et dans cette chapelle virtuelle, ici, on a fait une messe réelle avec un vrai prêtre à Noël qui a fait une messe pour les avatars. Et c'était très très beau. Il y a la vidéo sur YouTube, bon, ça va. Il n'y a pas de souci, je pense pas que... Là, c'est la chapelle. Et c'est la reproduction à l'identique, de la même dimension. Donc j'avais mis des sièges. On va sauter par le balcon, comme ça on arrive directement en bas. Là, il y a Goya, le célèbre tableau de Goya. Tout le monde est là. Ouais, il faut sauter là, attention. 1, 2, 3, jump. Boung, voilà, bon. Jump. Et du coup, c'est relativement démocratique, j'ai laissé un petit stand pour les contestataires ici. Voilà, au milieu de la place Moya. Mais du coup, ils ont cassé la vitrine. La marchandisation de l'art de Moya. Voilà, donc ils sont pas contents. Ils ont cassé la vitrine de la boutique. Et dans la boutique, on peut acheter les clés USB Avatar. Tiens, on va aller voir. Il y a les clés USB. Il y a des t-shirts gratuits, par contre, là à droite. Il y a un t-shirt gratuit du Moya Museum. Et là, il y a le livre.